Je viens. Ouais, ouais, demain, tranquille. Ah, j'ai fini la luge. Ouais, c'est bon. Elle sèche. Ouais. Faut que je te prépare du boulot. Non, pas trop. C'est des heures sup, hein, ça. Ouais. Tu marqueras, hein. La veste. Salut, qu'est-ce que tu m'amènes encore? Encore un arrivage. Des chaises. J'en ai amené 5. 5? Et puis une luge. Ça, la luge en maîtrise. Ouais. Au début, ben, je venais acheter chez Silvio pour mes différents aménagements. J'ai une formation de designer et je fais des ambiances. Et chez Silvio, il y a toutes les ambiances possibles. Je connaissais juste son nom. J'étais vraiment petite. On nous disait ouais, ouais, il a gagné, Silvio Giavellina. Ouais, on va le regarder à la télé. Quand il gagnait des médailles ou qu'il participait à une course, il mettait son bob qui avait gagné devant la maison. Alors, avec ma sœur, mes cousines, on adorait se faire photographier dans le bob. Mais je ne l'avais jamais encore vu en chair et en os. Je l'ai rencontré physiquement que 30 ans plus tard, en atterrissant dans sa brocante. J'ai été champion du monde en 82. Après, je pense deux fois champion d'Europe, puis quelques fois champion suisse. J'étais le lutin du bob, quoi. Tout le monde disait que j'arriverais jamais à rien. Un petit gringalet, presque pas sec derrière les oreilles. Mais ça me motivait, quoi. Simplement de l'entendre, je vais vous montrer. Je m'appelle Silvio Giavellina, je viens de Lesin, j'ai 27 ans. Je pratique le bob depuis 8 ans. De profession, je suis taulier en carrosserie. Je pèse 70 kg pour 1,72 m. Moi, bon, la première des choses que j'avais fait, c'était sa savon, quand il était petit. Puis après, j'ai fait un petit bob. Puis je faisais les courses ici. Puis voilà, c'est parti, comme ça. Les copains, ils avaient des roues de poussette. J'avais des roues de trotte. J'avais une Ferrari. Et puis j'étais presque gêné à l'époque. Mais le premier jour des entraînements, je suis rentré. Puis je m'étais fait battre par tous les autres, quoi. Parce que j'étais pas assez lourd. Puis mon père m'a dit, t'inquiète pas mon fils. Alors il a coulé du plomb dans les tuyaux, il a mis des barres de fer avec des poids dedans, et le lendemain, j'ai pulvérisé tous les records. C'est de quelle année ça? 58. 58? Ouais. C'est même du design suisse. Ah, elles sont aussi vieilles que ça? Ouais. 58? Oui. Parce qu'après, c'est toi qui va faire. Ben oui, ben oui. Parce qu'il ne faut pas croire que je vais tout faire. Non, je vais bosser. Parce que chaque fois qu'on vient là, on bosse. C'est comme ça.
Alors. Attends un petit moment là, que je prépare les trucs de me... Ça pue quoi. Ici on travaille au doigt, et au à pif et à l'œil. Ok. Tu mets un petit peu de résine. On va pas en faire beaucoup parce que on va faire que l'intérieur. Ok. Après on laisse sécher, puis après on poncera beaucoup plus ici. Donc tu peux chiffonner les... On a un petit peu ça dans le sang. Mon père a fabriqué des bobs. Il y a tout un passé là. Et nous, on n'a pas trop de moyens, quoi. Alors on faisait nos propres bobs. Ah ouais, donc là, ça doit couvrir. La fibre. Après, on a passé au Kevlar, Kevlar carbone. On a innové pas mal de choses qui se trouvent encore sur les bobs actuels. Mais il faut que je recoupe encore un morceau. Non, non, c'est bon, là. Mais ils sont pas assez longs. Non, non, c'est bon. Ah bon. Ça suffit, là. C'est bon. C'est juste un exemple hein, pour... C'était avec mon premier freineur, Francis, que j'ai commencé les compétitions ici sur neige. Et c'est avec lui qu'on a décidé d'aller à Saint-Moritz pour faire l'école de bob. J'avais jamais vu une piste en glace, j'avais fait du bob sur route. Et je crois que j'ai pas dormi toute la nuit parce qu'on devait commencer l'école de bob le lendemain. Tu dis jamais je vais faire ça quoi. Pas possible. Faut être fou. La première descente, et après j'ai couru en haut pour faire la deuxième. C'est sûr que c'est difficile. Il faut tout consacrer hein, pour y arriver. Il n'y a pas tellement de vie normale là. On était les premiers à innover un bob en Kevlar carbone. On a innové les suspensions, on a innové le carénage. On a fait des essais en soufflerie à Emmen, dans la soufflerie de l'armée. Alors tout ça, ça nous a permis d'avoir à 1,84 le bob le plus rapide. C'était juste avant les Jeux Olympiques de Sarajevo de 1984. Sur la piste, on était les plus vite que les Allemands de l'Est. On était les meilleurs de l'Ouest. Il est très beau à voir. Est-ce qu'il a suscité la curiosité et l'intérêt? Oui, est-ce que c'est passablement. Il a été pris passablement de photos, surtout par les Russes. Je voulais aller jusqu'au bout et puis surtout gagner sa place aux Jeux Olympiques. On a été porté par notre fans club, par tous les gens qui nous entouraient. On a pu faire arriver au bout de nos rêves. On va voir si Giobellina va s'améliorer aujourd'hui. 6,48, pas du tout. 32,79. Dépêche-toi. 32,79, il est plus rapide que Fasser. Et il a encore 2 centièmes de retard sur Ekmanis. Et là, il est de Giobellina qui lutte pour le bronze. Oui, 3e, 50-50, 3e temps de la manche. Et la médaille de bronze pour Silvio Giobellina, 3,21,39. Tout de même satisfait de sa performance. Bronze medal, Silvio Giobellina, Heinz Stetter, Urs Satzmann, Rico Freimurt, Schweizerska. Suisse. Switzerland. On a vécu, on a eu de la chance de pouvoir vivre tout ça. Même si on n'est pas monté sur la plus haute marche du podium, mais une médaille, c'est une médaille. Thank you.
pas fait une grande carrière comparée à d'autres grands bobeurs comme Eric Scherrer, comme d'autres, quoi. Certains sportifs, c'est difficile la reconversion, on en parle beaucoup. Mais après, ben, je me suis lancé dans d'autres aventures, mais tout de suite. Et puis j'ai eu la chance que tout marche comme sur des roulettes. À un certain moment, ben, il fallait faire un choix, quoi. Soit je continue le bob, ou bien je pars dans les activités touristiques. Et puis je suis parti là-dedans. Nous organisons des trekking depuis le mois de mai jusqu'à fin octobre, d'une journée à plusieurs jours, avec des nuits sous tipi, des nuits au chalet d'alpage, dans des cabanes de montagne. Il va bien. Ils connaissent toi encore, ouais, hein? Oui. Moi, je vais rechercher des carottes. Et maintenant, il parle plus que l'allemand? Il parle seulement français. tu viens avec Pierre, ouais. Puis tu dis, Kip, il ne donne pas. Il ne donne pas. Tu fais ton, et puis il donne. Il donne le pied. Yeah. Ça reste ouais. Français. Il ne veut pas changer de langue. Il ne veut pas changer de langue. Ah, moet je ook de langs uit. Moet je ook de langs uit. Goed, stop. Ulysse, c'est vrai que c'était le clou du troupeau de mulets. Il a été conçu par une jument Appaloosa. C'est ce qui lui donne cette robe. Hein? Eh bon, eh oui. Il aime bien qu'on le gratte là. Ça. Je suppose que c'est unique. Il y en a très peu. En tout cas, en Suisse, il n'y en a pas. Tous les mêmes. Hein? Eh bien. Tout le temps, moi. Hein? Lise, attends-moi. J'étais un amateur. Hein. J'ai eu un incident où j'ai pris un coup de pied dans la face. Je suis tout en titane ici. Ulysse! C'était un moment difficile de reprendre confiance. Ulysse. Ça a duré jusqu'en 2008. Ulysse. J'ai eu une hernie discale. Et puis j'ai encore travaillé 2 ans avec les mulets. Puis à un certain moment, il a fallu prendre une décision. Qui était difficile à prendre. Mais... autant qu'ils se trouvent avec d'autres mulets et puis qu'ils aient un environnement plus calme et tranquille à l'EMS.
C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir tout ce monde autour de moi depuis le début de ma carrière. Hein. Si je repars dans un nouveau projet, quelques coups de fil et puis toute l'équipe de l'AVS est là. C'est mon docteur de l'époque qui a trouvé ça. Quand il rencontrait des gens, il dit « Ah, tu fais aussi partie de l'AVS ?» Puis il dit « L'AVS, l'AVS ?» L'Association des victimes de Silvio. Ouais. Parti avec le snow tubing, la suite des fortes chutes de neige de 99. Les installations étaient fermées, une partie du village on ne pouvait plus y aller, il ne se passait plus rien. J'ai discuté avec ma femme, Catherine, j'ai presque convoqué le syndic, j'ai dit écoute, j'ai un projet. Il a fait aussi du bob. Je pense qu'il avait confiance. Et puis, chez mon cousin, on a récupéré des chambres à air. On a fait deux pistes et puis c'est parti comme ça. C'était un boulot de fou. Je travaillais jour et nuit pendant tout l'hiver. Pendant 10 ans, c'était assez difficile. On a eu une entreprise. On avait plus de 50 employés. J'ai pas été facile avec tout le monde, hein. Je gueule, j'ai pas l'air, mais des fois c'était pas évident. Quoi. C'était aussi un laboratoire. Puis la dernière chose que j'ai innovée, c'est le looping. Aussi un truc complètement fou que personne n'y croyait tellement, même pas Catherine, mais elle a quand même fait les essais. Mais ça marche. On est les seuls, pratiquement les seuls au monde à faire ça. Et moi, je ne l'ai jamais fait, quoi. Parce que j'ai de la peine à aller dans un truc que je ne peux pas maîtriser. Quoi. Et moi, il me faut des manettes, il faut que je puisse piloter. Je peux embrasser le patron, bien. C'est le sommet du blues. Tout. Ça va bien, toi? Ouais, bien. Merci. Ouais. C'est un plaisir. Ben ouais. C'est un
grand travail de concentration. On répète continuellement sa piste, même qu'on la connaît d'année en année, on répète, on visualise. Et on devrait pouvoir descendre les yeux bandés. La Saint-Moritz, la piste n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue à l'époque. C'est un tube. Un tube, on descend dedans, il n'y a pratiquement plus aucune chute, plus des chocs latéraux comme on a subi à l'époque. Il y avait quand même des accidents assez graves. Sur les moments des compétitions, on était un petit peu à la lumière, mais après ça passe vite. Hein. Mais moi, j'ai jamais tellement essayé de profiter de ça. Pour moi, c'est un sport spécial, qui est un beau sport quand même. Et c'est vrai que ça reste un sport confidentiel. Ça va? Et tu vois, ouais, ça va bien. J'ai créé un parc de snow tubing. Ah, ok. Cool. Les uns. Ouais, ça marche bien. Maintenant, j'ai formé du monde. Je suis pensionnaire. Pensionnaire. Hey, cool. Yo, wieso das Bild, glaube ich? Du kommst mit. Nein, nein, ich habe Angst. Ah, das glaube ich schon. Nein, ich bin Job. Was machst du? Okay! Femme Catherine, c'est sûr que des fois elle me retient, mais des fois c'est elle qui fonce. On a pris les chaises longues aussi. Ouais. C'est un bon équilibre quoi. Le barbecue, tout ça. Tire à gauche. Elle pratique de l'aviron depuis 7-8 ans. C'est un sport super, quoi. C'est aussi un sport d'équipe. C'est comme le bob, puis c'est de la glisse. C'est sur l'eau, on est à l'ouvert, et puis on regarde les montagnes depuis le lac. Alors petit à petit, on verra dans une dizaine d'années si je peux encore m'inscrire au championnat du monde des vétérans. Ouais. C'est l'heure du pique-nique. Hop. C'est toi qui... C'est toi qui fais le partage. D'abord Catherine. Oui, parce que tu veux avec sucre ou sans sucre? J'ai un peu de peine à te poser, mais quand je me pose bien. J'aime bien quoi. Ouais. Tu es prêt? Pas longtemps. Et go! Thank you.